On a besoin de personnes morales comme ça qui portent des projets collectifs. Parce que je pense que ça, d'une part, c'est un outil d'éducation populaire, même dans l'économique. Ça apprend des gens. Déjà personnellement, on acquiert certaines compétences de gestion ou d'autres qu'on n'avait pas. Du coup, quand on acquiert des compétences, on comprend mieux et on est mieux en capacité d'analyser ce qui se passe autour de soi. Quand on comprend mieux ce qui se passe autour de soi, en général, on a un peu moins peur de l'autre parce qu'on comprend un peu de quoi il parle et qu'est-ce qu'il peut avoir derrière la tête, alors que quand on ne comprend rien, ça génère des peurs, et la peur, ça génère la crainte, ça génère des fois la violence, et le repli sur soi, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est un projet aussi politique au sens de vie en société. Et si ça n'existait pas, je serais un peu chafouin, comme on dit, de me dire qu'il manque des outils pour que des projets collectifs puissent s'exprimer en toute normalité et légalité dans la société. Oui, on a créé le statistique, c'est-à-dire de favoriser l'émergence et la gestion et la structuration de projets collectifs, c'est ça. Le mot SIC, pour moi, il contient tout ça. C'est pas le statut avec l'article 1, article 2, article 3. Hein. On a créé le statut SIC pour permettre à des groupes de structurer leurs projets collectifs. C'est une société, donc ça veut dire qu'elle est inscrite au registre du commerce et qu'elle produit un bien ou un service qui est vendu à quelqu'un et qui est produit par quelqu'un, en général des salariés. C'est une coopérative, ça veut dire qu'elle met en avant l'individu et pas le capital. C'est une personne égale une voix et pas une action égale une voix. Et quand j'ai du bénéfice, hein, j'en investis la plupart, et pour les SIC, c'est quasiment la totalité, pour continuer à développer ce projet collectif et pas pour rémunérer ni du capital, ni des gros salaires, etc. Même si on paye les salaires normalement. Et elle est d'intérêt collectif au sens où elle va essayer de regrouper diverses catégories d'associés qui ont un lien différent avec la nature de l'activité, mais qui ont tous un intérêt à ce que cette société existe parce qu'elle va rendre, comme dit le titre, un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'elle a une utilité sociale qui va dépasser le seul besoin d'accéder à un produit ou à un service. Il manquait un statut qui nous permette d'être à la fois en coopérative, mais de pouvoir réunir autour de cet objet de la coopérative, un objet social autant qu'économique, un certain nombre de partenaires avec des implications différentes. C'est qu'on ne pouvait pas associer des populations différentes alors qu'on était sûr qu'elles pouvaient avoir un impact dans la vie de la société. Dans la SIC, on doit mettre des gens différents et on peut mettre n'importe qui participe au double objet économique de production d'un service et social. Quand on dit objet social, ça peut être la préservation de la planète, ça peut être des problèmes sociaux divers. On aura dû dépasser les 800 SIC en France, ce qui est à la fois pas beaucoup, mais pas mal, compte tenu de la relative marginalité des statuts coopératifs. Quel que soit le secteur d'activité, je pense que ce statut sert à des porteurs de projets qui veulent mobiliser autour de leur idée, de leur activité, un certain nombre de partenaires pour rendre encore plus efficace leur propre projet. Aujourd'hui, il permet à des gens d'oser et de faire. Et il y en a qui réussissent. Bon, il y en a qui se plantent aussi, tout n'est pas rose. Hein. Il y a une meilleure efficacité. On voit des projets dont tous les ratios classiques d'école de gestion auraient prédit la mort assurée, qui ne sont pas morts et qui ont au contraire explosé parce qu'il y a eu un autre facteur qui a été la motivation collective, l'envie de réussir par rapport à l'objectif que ce groupe s'était donné. Et finalement, c'est arrivé.
Et finalement, il y a eu une bonne assise, y compris économique. Alors peut-être ça met plus de temps qu'une start-up qui va avoir plein d'investisseurs et qui, en 3 mois, va faire exploser tous les chiffres d'affaires. Mais pour moi, ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est que, quel que soit le volume du groupe, que ce soit 40, 50 ou 400 personnes, à un moment donné, si finalement, après des débuts chaotiques, parce qu'on visait d'abord le côté que j'appelle social, mais le social au sens très large du terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'était pas très performant au niveau économique, mais que finalement, parce qu'on voulait arriver au but, on s'est formé et on arrive à bien gérer la société, pour moi, ça vaut toutes les cotations en bourse du monde. J'ai pas fait 50 000 choses dans ma vie que je commence à regarder par derrière exceptionnelles, mais que celle-là, j'ai contribué en tout cas à faire que ça émerge et je suis satisfait. Bon, j'aurais aimé des fois faire des choses différemment, y compris pour ça, ou mieux. Mais en tout cas, je suis content, oui, d'avoir participé à cette aventure-là. Je suis sensible aussi que j'ai rencontré, aux projets que j'ai eu la chance de rencontrer, aux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais je me dis que d'abord, je n'aurais pas eu cette chance-là de rencontrer ces gens et ces projets géniaux. Je suis moins intéressé par les projets individuels que des projets collectifs qui mettent en branle au moins 2, 3, 4, 10, 20 000 personnes. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait bouger. Et ce qui me rend heureux, oui, c'est de sentir qu'il y a des gens qui osent avoir des idées parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être seuls pour les mettre en route. Et ça, je trouve que c'est... encore une fois, je ne nie pas le côté intéressant d'un entrepreneur qui a une certaine capacité, qui peut être... un leader, etc. Bon, c'est très bien et heureusement qu'il y en a. Mais moi, ce qui me fait plus vibrer, c'est que des gens qui ont des idées, mais qui, pour plein de raisons, à la fois sociologiques, de leur milieu ou d'éducation, ne se sentent pas entrepreneurs et ne le sont pas. Moi, j'ai géré une scope, je ne suis pas entrepreneur. J'ai géré une scope pendant 20 ans, je ne suis pas entrepreneur. Mais le système coopératif m'a permis d'accéder à cette fonction-là. Le collectif qui a eu une idée et qui l'a mis en place et qui a mis un peu d'argent ou de son temps ou de ses compétences pour le mettre en place, il n'est pas question qu'il se départisse de l'orientation et de la gestion de cette activité. Donc c'est pas rien ça. C'est pas, tous les collectifs n'ont pas cette ambition de maîtriser l'outil qui leur rend service. Le côté collectif, c'est aussi une sécurité. Parce qu'on n'est pas seul.